Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, épisode vraiment un peu impromptu et un peu spontané. En fait, c'était pas du tout prévu. Donc, je me trouve à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran et Flo vient de nous rejoindre. Et il avait avec lui un Célestron C11 que vous voyez là et une caméra Zuo ASI 585MC qui vient de sortir. Tout juste en France et donc là je suis justement en train de tester ce petit couple là. Cette caméra donc c'est le format cylindrique classique que l'on trouve chez Zuo avec donc l'ADC ici, l'adaptateur Pyro Astro avec une barre lotée, les vues deux fois et le tout donc sur un Célestron C11 absolument magnifique, Schmidt Cassegrain de 280 mm de diamètre et 2800 de focale. Le tout sur une ZWO AM5, moteur donc Harmonic Drive, avec quand même un contrepoids, il est utile de le préciser. L'ensemble est très très stable à partir du moment où voilà, il n'y a pas de vent et où on n'y touche pas. Dès qu'on le touche, ça vibre un peu, mais ça se restabilise. Et très sincèrement, on a un suivi qui est extrêmement, extrêmement stable, c'est vraiment très appréciable. Et franchement, je crois que c'est pas vilain. Donc là, on va faire une petite acquisition ensemble, vous allez voir ça. Hop là, donc on va centrer notre planète, voilà, on lance une acquisition, hop, hop, voilà, et l'image est juste magnifique. Alors parlons un peu de cette caméra, de ses caractéristiques. C'est une caméra de format 3840x2160, c'est-à-dire exactement 4K. Des télévisions 4K, c'est exactement ce format là. On a quand même une bonne un bon champ en fait pour faire du planétaire. Alors généralement pour les planètes on n'utilisera pas toute la caméra, on pourra sélectionner une région. Par contre elle pourra être utilisée également pour la Lune. Elle a une très bonne sensibilité en infrarouge. C'est un capteur BSI Backside Illuminated, c'est des capteurs de nouvelle génération qui sont quand même à peu près 30% plus sensibles. Et c'est un capteur avec des photosites qui font 2,9 micromètres. C'est, on va dire, voilà, c'est la norme bien souvent en fait que l'on retrouve chez des astronomes amateurs, donc en photo planétaire. Donc très sincèrement, les résultats sont assez bluffants. Je peux vous montrer une photo. Voilà une photo qu'on a faite il y a quelques instants et très sincèrement, je pense que ça marche pas mal. Donc, on est avec la nouvelle caméra Zuo ASI 585, MC pour couleur. Donc, l'application Zuo nous permet aussi de corriger notre ADC, etc. Enfin, on a vraiment les fonctions un peu vitales, standards, que l'on retrouve dans Fire Capture. J'avais fait les petits réglages, on travaille avec 20 millisecondes de temps de pause, de façon à avoir un maximum quand même de... Voilà, un maximum de... d'insensibilité on va dire à la turbulence. On va passer à 2000x2000, voilà, et donc on va lancer une acquisition de 30 secondes, pas plus, parce que la planète varie. Donc on est sur un Célestron C11, voilà, on va refaire une autre acquisition cette fois en RAW 8 pour voir un peu ce qui se passe. Après un traitement somme toute standard et rapide avec autostacker puis des ondelettes, etc., le résultat est somme toute excellent avec une image extrêmement peu bruitée et très belle en couleur. Cette caméra est donc d'ores et déjà disponible chez ZWO et c'est annoncé chez QHYCCD de façon imminente. Voilà, donc merci Flo pour ce petit test. Très sincèrement, j'étais bien content de tester. C'est la première fois de ma vie que je teste un C11. On l'a collimaté ensemble. Je crois qu'on a fait quelque chose de pas mal. Et avec cette petite caméra, bah voilà. Bon, je crois que j'ai déjà assez de caméras planétaires à la maison, mais ceci dit, celle-là, elle est assez intéressante à nommer, à noter, et je crois que, à mon avis, elle va devenir très rapidement une grande référence pour les astronomes amateurs. Voilà, vous trouverez le lien dans la description. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.